Un procès pour pédophilie va s'ouvrir en juillet au Vatican. C'est une première. Sur le banc des accusés, l'ancien archevêque polonais Józef Wasolowski. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs lorsqu'il était ambassadeur du Vatican en République dominicaine de 2008 à 2013 et de détention de matériel pédopornographique. L'accusation s'appuie sur des articles de presse locaux accusant Wasolowski de rapports sexuels tarifés avec de jeunes garçons. Wasolowski a été défroqué et maintenant il va y avoir une procédure criminelle contre lui. Et le fait que le Vatican ait maintenant fixé la date pour le début de son procès signifie que le pape François veut aller jusqu'au bout de l'affaire. Le pape François, qui prône la tolérance zéro pour les ecclésiastiques impliqués dans des affaires de pédophilie, a aussi accepté la démission d'un archevêque et de son adjoint aux États-Unis. Ils étaient accusés d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels commis par un prêtre de leur archidiocèse. La semaine dernière, le pape a annoncé la création d'une instance judiciaire spécialisée pour les évêques accusés d'avoir couvert des abus sexuels sur mineurs.